皆様お待たせいたしました。お時間となりましたのでセミナーを開始いたします。オンラインセミナーに入る前にご連絡事項をお伝えいたします。セミナーの録画録音は禁止とさせていただいております。また講師へのご質問は視聴画面の Q&A よりお願いいたします。いただいた質問にはセミナー終了後質疑応答時間を設けます。本日のタイムテーブルをご案内いたします。約80分のセミナーと20分程度の質疑応答時間を予定しております。セミナー終了は18時10分を予定しております。なお、セミナーの最後にポメリーソムリエコンクールの第2予選についてご案内がございます。最後までご視聴いただきますようお願い申し上げます。それでは早速ですが、セミナーへ入りたいと思います。まずは本日の司会進行と通訳を務めます。ブランケンポメリージャパン株式会社の代表取締役社長、諸井健よりご挨拶させていただきます。諸井社長、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、ブランケンポメリージャパン諸井と申します。本日お忙しい中、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。今日はなんと、クレマン・ピエルを一緒にセミナーを行いますので、不慣れの中いろいろ緊張はしておりますけれどもよろしくお願いいたします。Donc, Clément, je te propose de commencer. はい。Deva, je te propose de commencer, voilà, et je vais lancer le séminaire. C'est parti. Bonjour tout le monde, très heureux d'être ici. Je suis dans la salle historique de dégustation de pommerie avec derrière moi Victor Lambert, qui est le créateur du premier brut de l'histoire. 皆様こんにちは。クレマン・ピエロと申します。今ルイーズ・ポメリー、ルーム、ラボにいますけれども、さまざまな歴史が入っているお部屋になりますけれども、今日よろしくお願いいたします。ちなみに後ろのスタチューなんですけども、ビクトル・ランベールという、ポメリーの歴史の中でも重要人物になります。OK, allons-y, tu lances là. Oui. OK. Donc, on va lancer le diaporama et puis l'idée, c'est de vous emmener en 80 minutes sur différents éléments de la maison et de la Champagne. Et évidemment, je suis ouvert à toutes les questions après et prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, 皆様、今日のセミナーの目的は、シャンパーニュを含み、メゾンの、説明にもなりますので、最後、質問、あるかと思いますが、今日なるべく、さまざまな、勉強、知識を身につける機会であればなというふうに思っております。よろしくお願いします。あとは。Allons-y. Donc, première diapo. Donc, je voulais d'abord vous parler évidemment du groupe Vranken Pommery. Tu passes ? Ouais. Je voulais vous parler du groupe Vranken Pommery parce que ça me paraît essentiel. Parce que un vin, ça dépend énormément du propriétaire et de la passion du propriétaire. Et donc, il me semblait essentiel, premièrement, de vous parler de qui possède Pommery. まずは、もちろん、シャンパーニュのメゾンの歴史などはありますけれども、今回は、創業者の話から、せっかくなので、ブランケンの歴史もお話ししたいというふうに思います。あとは。Passer.
Donc effectivement, le groupe appartient à la famille Vranken, donc le fondateur Paul-François Vranken. C'est extrêmement important parce qu'une maison familiale, ça change tout en termes de passion et d'engagement. Nous sommes évidemment une marque internationale vendue dans plus de 130 pays. Nous sommes avant tout une famille avec une culture forte et un engagement fort, notamment au niveau de l'environnement et de l'innovation. Et ce que je voulais vous dire, c'est ce qui est résumé dans la phrase de la citation de M. Vranken, c'est que l'excellence a toujours été le résultat du travail des hommes et des femmes et des cadeaux de la nature. Et c'est vraiment ce qui nous guide tous les jours au quotidien. やっぱり、まあ、グループの、まあ、イメージや、まあ、そのフィロソフィーについてはあの創業者ポール・フランソワ・ブランケンが、元にございます。本当にビジョンがあってそして、国際的なもちろん今ポメディなどは流通はしておりますけれども、まあ、家族経営であることがございますので、彼は環境を大事にしており、またイノベーションのことについてもとても気にしており、ちょっとスライドの下にはございますけれども、まあ、エクセレンスそのものが、まあ、自然の恵みと、まあ、人の仕事のバランスによるものというふうに、モットーとして持っております。OK。Rapidement, il me semblait important de vous rappeler que le groupe était propriétaire de vignobles en Europe. T'entends plus. Et que... Ça marche plus ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon ? Oui, je t'entends. Ok, parfait. Voilà. Tu peux reprendre ? Oui, je reprends. Donc, rappelez que le groupe était propriétaire de nombreux vignobles en Europe, était l'un des plus grands vignerons d'Europe, et de rappeler que Pommery, en tout cas le groupe Vranken Pommery, était avant tout un vigneron, et que l'on ne concevait de faire du vin qu'à partir de nos vignes. ブランケンポメリグループが、まあ、ヨーロッパの中では最大のワイン畑所有者になりますので、まあ、我々の、畑をとても大事にしており、最大限の、品質のワインを生み出すというのが、心がけております。 OK。Très rapidement sur le groupe, vous dire que c'est un groupe très jeune puisqu'il a été fondé en 1976, que l'on va bientôt fêter les 50 ans du groupe, qu'il s'est construit petit à petit en créant des marques et en achetant des marques comme Etsic & Co. Monopole, par exemple. Mais évidemment, si tu peux surligner le 2002, évidemment, le fait marquant, le point d'orgue de la création de ce groupe, c'est l'achat en 2002 de Pommery. Et pour Pommery, pour le groupe Vranken Pommery, c'est un changement majeur, mais c'est également un changement majeur pour la marque Pommery. 比較的、まあ、歴史 の短い、ブランケングループではございますが、1976年に創立されたわけですけれども、ちょうど、2026年に、まあ、50周年を迎えます。まあ、自社で作ったブランド、まあ、ブランケンなどはございますけれども、エドシックモノポールやポメリは、まあ、歴史の長いブランドになり、まあ、買収に基づいて、運営をしておりますが、2002年グループにとってはポメリの、まあ、売却が大きな、影響を受けておりますし、ポメリシャンパニーにとっても大きな、動きだったというふうに思います。Okay. Donc je vais faire maintenant un focus sur Pommery. Vous parlez un petit peu de l'histoire de Pommery. Vous avez un magnifique portrait de Madame Pommery ici. Et nous allons revenir à l'origine en 1836. これからポメリの歴史に入りますけれども、素敵なマダムポメリの絵が、ございますけれども、歴史に入りたいと思います。
Donc évidemment, la maison est une histoire ancienne qui a commencé en 1836 par la création de cette maison par un homme qui s'appelle Narcisse Greynaud. Et c'est pour cela que quand vous regardez une bouteille de champagne Pommery et Greynaud, vous aurez toujours Pommery et Greynaud. C'est parce que le premier homme, c'est Narcisse Greynaud. Je laisse traduire. 実は皆様ご存知か、か分かりませんが、1836年ポメリの、創立のもとには、ナルシス・グレノー氏が、ミスター・ポメリと一緒に創立をしましたので、いまだに、ポメリのボトルにはポメリ&グレノーが、書いております。あとは évidemment, évidemment, le vrai changement pour la marque c'est 1858parce que deux ans auparavant, 1856, Monsieur Pommery s'associe à Monsieur Greynaud pour fonder Pommery et Greynaud, mais malheureusement, il décède deux ans plus tard, et c'est en 1858 que la veuve Pommery prend le contrôle de l'entreprise, et c'est réellement un virage majeur pour cette maison, et c'est un virage majeur pour la région Champagne entièrement. または1858年、ポメリー、ミスター・ポメリーが、亡くなる2年後、ポメリー未亡人が、企業を運営し始め、ポメリーにとっては大きな出来事ですけれども、実はシャンパーニュ地方全体も、大きな影響を与えました。あとは Alors...Effectivement, Madame Pommery, c'est vraiment le personnage majeur de l'histoire de la marque et est un des personnages majeurs de l'histoire de la Champagne. Et je voulais vous parler un petit peu plus en détail de Madame Pommery. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, Madame Pommery prend le contrôle de l'entreprise en 1858, ce qui est à l'époque très difficile pour une femme. Il faut être veuve pour pouvoir diriger soi-même l'entreprise.Et donc, elle remplace son mari et va avoir très, très vite une vision de l'entreprise, une vision de la Champagne, une vision du commerce unique et une vision de génie qui va faire que l'entreprise va se développer tout au long de sa vie de manière considérable, puisque quand elle prend l'entreprise, Pommery Greynaud vend à peu près 20 000 bouteilles. Et quand elle décède en 1890, Pommery Greynaud vend 2 millions de bouteilles.ce qui est considérable à l'époque. 実は1858年、ポメリー未亡人が、会社の運営をし始めたのはですね、当時、ウィメンズライトのところでは、実は未亡人にならない限り会社の運営ができなかった、時代でもありましたけれども、その関係もありますが、彼女が大きなビジョン、そして、ジニアスも持っておりました。その出来事については後で説明しますけれども、ビジネスセンスに恵まれ、1858年、ポメリーがたった2万本の売上を持っていたところ、ポメリー夫人が、亡くなった1890年にはなんと200万本まで、実績を伸ばしたことになります。 Donc, effectivement, elle a une éducation très, très, très bonne et elle a été notamment éduquée en Angleterre et elle a compris très, très vite que le marché anglais était extrêmement important.Et elle va faire tout en sorte de plaire au marché anglais, qui est à cette époque le marché le plus important, qui est encore maintenant un marché très important. Elle va essayer de rendre hommage à travers l'architecture des bâtiments, mais surtout à travers le goût du champagne. Elle va essayer de plaire le plus possible à ce marché en créant un nouveau champagne. Et c'est ça, c'est sur ce nouveau champagne que je voudrais faire un focus juste après.実はマダム・ポメリーは、イギリスで、教育勉強をされしていて、この、イギリスマーケットをとても大事にしておりました。大事にしていましたことによって、ポメリーの建物自体もエリザベス女王、建築方式となっておりますし、または、シャンパーニュの味わいをこのイギリス市場のテイストに合わせて、作りました。
Bien. Donc effectivement, 1874, c'est création du brut, premier brut de l'histoire. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est un travail très important qui a été mené par deux chefs de cave successifs, Damas d'abord, puis donc Victor Lambert qui est juste derrière moi, qui vont travailler selon les consignes de Madame Pommery, qui leur demande de soigner la finesse avant tout et de rendre le champagne aussi sec que possible. この実は結果として1874年になんと、初めて、ドザージュされていない、ポメリブルトナチュールが、作られました、2人のシェフドカーブが、関わっており、ダマス氏と、ビクトル・ランベールちょうど、ピエロの後ろにある、スタチューなんですけれども、が関わっておりマダムポメリーの希望としては最も洗練されており最も、ドライなものを作ってほしいという指示をいただきました。Évidemment, on va rester sur cette diapo. Évidemment, le brut. Non, tu peux rester sur cette diapo, pardon. Excuse-moi. Évidemment, le c'était pas eu l'idée de faire un champagne sec. Tous les vins à l'époque étaient très sucrés. Mais ils étaient très sucrés parce que la qualité au 19e siècle était parfois compliquée. Et donc, elle a compris qu'il fallait, pour réussir son coup, créer un nouveau champagne qualitativement parfait. Et donc, elle a dû travailler sur différents aspects. Premièrement, le vignoble, en créant des nouveaux types de contrats, en achetant des vignobles et en prenant surtout des risques au niveau de la maturation des raisins, parce que la qualité des raisins, la maturité des raisins a toujours été le point premier pour la qualité des vins pommery. 実は辛口のシャンパーニュは、まあ、当時19世紀はまだまだ、作ることが大変厳しく、まあ、品質が あるいは、まあ、醸造に対するこのノウハウも足りなかったこともあり、主流の味わいとしては甘口でした。で、この品質のこだわりとしては、彼女がまずワイン畑の、まあ、ブドウの品質ですね、実写畑をの面積を増やしたり、または契約を結んだりしておりました。そしてもう一つ、まあ、ブドウの、熟成度合い、まあ、収穫する前のその熟成度合い、当然、酸の度だったり、度合いだったり、その甘みの度合いだったり、そういうのをとても気にしておりました。Effectivement, une fois qu'on a la qualité des raisins, ce qu'il fallait faire à l'époque pour améliorer la qualité et pour permettre d'enlever le sucre, c'était d'augmenter le vieillissement. Le vieillissement à l'époque était fait, l'élevage était fait en barrique et le vieillissement en bouteille, évidemment, dans les caves. Et pour augmenter l'élevage ou pour augmenter le temps de vieillissement en bouteille, il fallait énormément de place. Et c'est pour ça qu'elle a eu cette idée géniale de créer probablement le plus beau domaine champenois, à l'époque le plus grand domaine champenois, puisqu'il s'étend sur 70 hectares. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que sans ce domaine, la création du brut n'aurait jamais pu intervenir. Et on va passer à la diapo suivante. 収穫前のこのブドウ の完熟度合いのこともありながら、実際、瓶詰めしてからの熟成期間を、または、瓶詰めする前のこの樽熟成をする、期間を長くすることによって、まあ、滑らかさも生まれます。彼女もマダムポメリもそれをよく分かっており、まあ、瓶詰めした後にたくさん保管そして熟成期間を延ばすことに、を可能にするためには大きなスペースを確保しました。Donc effectivement, 1888 est la fin de la création du domaine. Il aura pris 20 ans puisqu'il a commencé en 1868. Et l'idée de Madame Pommery, c'est d'acheter un terrain dont, entre guillemets, personne ne veut à l'extérieur de la ville
70 hectares de crayères, de carrières qui sont remplies de trous, etc. Et c'est, l'idée, c'est d'utiliser ces carrières gallo-romaines, de les relier entre elles pour faire probablement les plus belles caves de la Champagne au moins, mais presque les plus belles caves du monde, avec ces 18 km de galeries et une condition de vieillissement parfaite pour le vin. 1888年、ドメーヌポメリー完成するまでには20年間もかかりましたけれども、マダムポメリーが選んだ場所はもともと誰も興味を持っていなかった土地だったんですが、町の中心から少し離れていていましたが、なんとガロロマ時代の、クレイエールが70ヘクタールも、ございまして、このようなビジョン、彼女がこのようなビジョンを持って、なんとシャンパン地方の中では、一番素敵な、一番素敵と言われるぐらい、言えるぐらい、18キロに及ぶ、ガロローマ時代の、カーブが、できましたので、なんとビジョンを素晴らしいビジョンを持っていたんでしょうか。Okay.Diapo suivante, merci. On passe. Donc, effectivement, ce domaine qui a été inauguré en 1878 est dans un style anglais, parce que là encore, le lien avec le marché anglais, elle a voulu faire des bâtiments dans lesquels les clients anglais seraient le plus à l'aise possible. Et elle a voulu, dès le départ, que ce domaine soit visité. Par tout le monde. Donc effectivement, c'est un domaine qui comporte ces fameuses caves, 18 km de galeries, un stockage potentiel de 25 millions de bouteilles, ce qui est considérable puisque ça a été imaginé à une époque où la Champagne vendait maximum toute la région 10 millions de bouteilles. Donc, c'était une vision du futur extraordinaire. Qui permet encore aujourd'hui de produire tout la Pommery dans les mêmes bâtiments qu'avait imaginé Madame Pommery. この、建物自体はもちろんエリザベス女王建築スタイルであることによってもちろんイギリス人にたくさん来てほしいと思いましたし、常に、フランス人だけではなくもう世界中にこのエステートを見ていただきたいという考えもありましたので、常に最初からオープン、しておりました。または、保管できる、キャパシティとしてはなんと2500万本以上ストレージできるスペースとなっておりましたので、当時もうシャンパン地方、では1000万本余りの、出荷量に対してもうかなり先立ってたビジョン、かと思いますので、これも、大きな、彼女のセールスセンスだったなというふうに思います。ああ、effectivement, et ce que je voulais vous parler également, c'est le lien avec l'art, parce que dès le départ, Madame Pommery a compris qu'il fallait que son domaine soit visité, et elle voulait que son champagne soit associé à l'art. Et donc, un artiste qui s'appelait Gustave Navlet est venu faire quelques bas-reliefs, il y en a cinq, qui ont été faits sur une période de 5 ans, qui sont majestueux et qui ont été faits in situ dans la craie. Et maintenant, avec les nouveaux propriétaires, avec la famille Vranken, nous sommes passés aux expositions d'art contemporain. Et tous les ans, il y a une des plus belles expositions d'art contemporain au monde et qui se passe à l'intérieur même des caves. Et on a ces bas-reliefs historiques qui cohabitent avec des très très belles pièces d'art contemporain.ポメリーとアートが最初から今現在までに、存在している、リンクがございます。当時、ギュスターブ・ナブレが、カーブの中でですね、ちょうど右側に見えますけれども、チョークに直接、刻んで彫って
レリーフを5年間かけて行いました。当時は電気もなかったわけですので、まあろうそくの光で作り、なんと終わったらほとんど見えなかったという伝説もございます。で、ブランケンポメリーになってからはコンテンポラリーアートのリンクを、まあ、アートとのリンクとして、支持しております。まあ、未だに、カーブの中で、アーティストの作品をこのように飾っておりますので、ポメリとアートのリンクを常に大事にしております。On va montrer notre petit film. Ce que je vous propose effectivement, c'est de, pour bien découvrir et voir le domaine, c'est de vous montrer un petit film sur le domaine. それではムービーもご用意しておりますので、ドメインがよりわかる映像がございますので、ご覧お願いいたします。De retour. Merci pour le film. Alors, on va faire une petite parenthèse sur la Champagne. Ça me semble important de vous parler de la Champagne. Ça va être très bref parce que je sais que vous êtes des très grands connaisseurs. On va passer à la diapo d'après.
ムービーの方はいかがでしたでしょうか。この後皆さんご存知かと思いますので、本当に素早くこのシャンパンについて話をしたいと思います。Donc, vous savez que la Champagne est, est une région délimitée avec une superficie de 33 000 et 34 000 hectares et que toute la Champagne est plantée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de réserve disponible. Toute la région délimitée est, est désormais plantée en vigne. まあ、皆さんご存知かと思いますけども、シャンパン地方は3万3000ヘクタールになっておりまして、すべての面積、ポテンシャル面積が、まあワイン畑がございますので、これ以上現時点では伸ばすことはできません。Donc il y a, c'est important de savoir qu'évidemment le, le vignoble champenois a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment grâce à la butte Sainte-Nicaise et notamment grâce à Pommery. Rapidement, le, les variétés, vous savez qu'il y a trois variétés principales.Avec une grande une majorité de pinot noir, mais il y a sept cépages autorisés. Ça, vous devez le savoir, donc sept cépages autorisés. Je pourrais en parler tout à l'heure pendant les questions. Et puis, au niveau des villages, la Champagne est très étendue. Elle s'étend sur plusieurs départements avec 319 villages ou crus qui contribuent à la très, très grande diversité de terroir et donc qui permettre la, ce qui fait la magie de la Champagne, l'assemblage. ご存知かもしれませんけども、2015年から、まあ、ユネスコ登録されており、一つの基準としてはこのビュットサンニケーズ、サンニケーズの丘、ポメニが詳細している場所なんですけれども、まあ、ユネスコの登録の一つの基準、丘に、ある畑、が基準となっております。主に、まあ、代表的なセパージュの中ではピノノワールの方が一番、まあ、多く、植えられておりますけれども、合わせて、7つのセパージュブドウ品種が、存在しており、また話をしたいと思います。319クル、がございまして、まあこのクルーが、まあ、複数件、に、ございますので、まあ、このように、ダイバーシティたくさんの、クルーをブレンドをすることによってシャンパーニュの魔法が生まれるかと思います。Donc, au niveau des villages, il y a une classification historique, avec le plus haut niveau qui s'appelle les grands crus, il y a seulement 17 villages.Et puis pour les premiers crus, 41 villages. Bon. Et ça, ça, c'est une classification historique. Et donc, il y a 260 villages qui sont, entre guillemets, non classés ou en autres crus. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est une classification historique et que depuis une centaine d'années, notre travail de chef de cave en chef de cave, c'est de connaître tous ces villages individuellement.Pour faire notre propre classification et aller trouver les pépites qui sont dans ces 260 villages aussi. まあ、歴史的にはこのクラシフィカションスケールが当然ございますけれども、グランクルーが17箇所、プレミアクルーが41箇所なんですけれども、まあ、その他の261クルーの中では、まあ、当然この、まあ、スケーリングもありますけれども、我々、まあ、醸造責任者として、それぞれのクルーの、まあ、個性だったりをうまくより把握することによって、宝物的な存在のクルーを、掘り出すことも我々の仕事でもあります。OK。On va passer à la diapo suivante. Donc, je vais passer ça, vas-y. Voilà, donc avant, vous avez vu la carte de la Champagne avec toutes ces différentes régions. Je vous ai parlé des villages. Ce que vous devez comprendre, c'est que.La Champagne est comme la Bourgogne, une association de plein de micro-terroirs qu'on peut appeler les climats en Bourgogne, mais qu'on va appeler ici les lieux-dits. Mais dans tous les cas, si je prends l'exemple ici du village d'Ailly, on verra en plus gros sur la diapositive d'après,
la connaissance des villages n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin et connaître le parcellaire de tous ces villages. まあ、あのシャンパーニュのマップから今度アイ村のもう少し具体的な、マップに入りますけれども、まあ、ご存知かもしれませんがシャンパーニュが、まあ、ブルゴーニュ地方と似ているところもありましてマイクロテルワール、がございます、まあ、このブルゴーニュのクリマに関してはあ、まあ、シャンパン地方のリュー・ディ、まあ、ロケーションですね、も言えるかと思います、アイ村をただ知るだけではなくそれぞれパルセル、区画の知識もとても重要かと思います。Donc là, vous voyez en... En gros plan, le village d'Aï, où j'habite d'ailleurs, et vous voyez qu'il y a une très très grande diversité de lieux-dits et que, évidemment, vous avez compris que la connaissance la plus précise, la plus fine possible du terroir change évidemment tout au niveau des assemblages. まあ、より、洗練されたアサンブラージュを、まあ、成立するためには、この、まあ具体的なこの区画の特徴などを知ることが最も大事かなというふうに思いますので私もアイ村には住んでおりますが、常に、ウォッチをしております。Ce qui est important de savoir, c'est que l'image que vous avez ici, c'est une carte de pommerie historique qui est ici dans la salle des archives et que c'était quelque chose que dès le départ, les premiers chefs de cave de la maison avaient compris。実はあのこのマップの写しに関しては、まあ、歴史的なあのポメリの書類となっておりまして、初代のポメリの、醸造責任者もこの区画の大切さについてもよく、承知しており、大事にしておりました。Alors, on va parler rapidement de la vinification. Je sais que vous connaissez très très bien ce procédé, donc on va brosser rapidement et vous dire ce qu'est la vinification chez Pommery. まああの醸造についてはもう皆さんもちろんあのよく分かっておりますけれども、ちょっとポメリの中ではこういうところを、まあ、気にしているとか、そういった具体的なところも話をしたいと思います。Voilà les différentes étapes de la vinification en Champagne. Ce qui me paraît important, c'est de vous dire ce qui est vraiment important, selon moi, pour Pommery. Et effectivement, les deux premières étapes sont les plus importantes de la vinification champenoise, et en tout cas pour nous, Pommery, parce que la vinification de Pommery est ce que j'appelle simple, dans un bon terme, ou minimaliste. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le sourcing des raisins et ensuite le pressurage. 実は、あの、まあ、様々なステージの中では、まあ、我々にとって最も、重要なのが、この、まあ、収穫と圧搾にはなりますけれども、まあ、醸造については最も、まあ、シンプルなおかつ、まあ、ミニマリストな醸造方法を使っておりますので醸造スタイルとなっておりますので、特に、ブドウのソーシング、またはプレッシングのところを気にして、まあ、のこだわりを持って、まあ、スタイルに最も影響はしているかなというふうに思います。Donc ensuite, évidemment, quand vous avez les fruits les plus parfaits possibles, nous allons les mettre en œuvre. Et donc, c'est la fermentation. C'est très simple chez Pommery, c'est d'avoir des températures basses et des fermentations les plus préservantes de la qualité. Sur la diapositive, c'est marqué malolactique facultatif. Chez Pommery, il y a 100% de fermentation malolactique. Et donc, le process, voilà, est relativement clair et simple.またはあの発酵プロセスについては比較的シンプルでありまして、まあ、低温そして、
品質をとにかく守っている、発酵プロセスを、行っており、すべてのポメリシャンパーニュに、マロラクティック発酵を行っております。Évidemment, après, il y a l'assemblage, toutes les étapes de mise en bouteille. Et l'étape la plus importante ensuite pour nos vins, c'est ce qu'on appelle le vieillissement et ce que j'appelle la patience. Et pour Pommerie, étant donné la qualité des raisins qui rentrent dans les bouteilles, il faut énormément de patience. Et Madame Pommerie l'avait compris. Donc, patience égale place en cave. Et donc, il faut énormément de patience et de place pour permettre le vieillissement suffisant pour atteindre la qualité des vins Pommerie. このように、完璧な、果汁を調達した後にやっぱり長く、熟成しなければ、いけませんので、マダムポメリも言いましたけれども、とにかく時間がかかる、ゆっくり熟成していくことによって、膨大な場所保管場所も必要ですので、ポメリではこの熟成期間、については最も気にしております。 Voilà pour le winemaking. On pourra en reparler évidemment pendant les questions tout à l'heure. で、ちょっと続きます。 Alors là, je voulais rapidement faire un focus sur ce qu'était la champagne et ses différents dosages que vous connaissez très bien, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet des dosages, nous pourrons en parler tout à l'heure. Je voulais parler des tailles de bouteilles, c'est essentiel. La vinification dans des flacons d'origine, c'est vraiment une signature historique de Pommerie, d'être capable de faire une Pommerie depuis la demi-bouteille de champagne jusqu'au Salmanazar. Là, on a mis jusqu'au Nabucodonosor, mais pour les bouteilles millésimées, pour les cuvées de prestige, nous sommes la seule maison à mettre en bouteille dans le flacon d'origine jusqu'au Salmanazar. Et c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour la qualité des vins, parce qu'un vieillissement dans le flacon d'origine change totalement le style du vin. もちろん皆様ドザージュについてはよくご存知、かと思いますので、これ以上話をしませんけれども、複数ボトルサイズに関してはポメリのこだわりについて、ボトルからですね、サルマナザールまで、すべて、瓶詰めをしており、瓶内二次発酵、そしてゆっくり、熟成していきますので、なかなかここまで、こだわっているシャンパニュブランドも少ないかと思いますが、本当に、熟成期間が長く、大きい瓶の方は、長く時間かかりますので、大きなこだわりであるかなというふうに思っております。 Très bien. Alors on va quitter donc, le monde de champagne et revenir sur les vignobles Vranken Pommerie. Et vous parlez du développement durable parce que c'est essentiel, essentiel à notre groupe, essentiel à Pommerie. C'est notre engagement environnemental. また、一旦ちょっとシャンパーニュですけれども、ワイン畑の方に戻り、持続可能なそのブドウ栽培について、より詳しく話をしたいと思います。Donc, je ne vais pas vous parler de tous ces labels. Juste vous dire que nous sommes évidemment très engagés sur tous nos vignobles en Europe, dans différentes certifications. Je vais simplement vous parler et faire le focus sur la dernière, qui est en 2021 ce qu'on appelle en français la société à mission, qui est un équivalent français du Bicorp. En tout cas, c'est très, très engageant en France. Parce que cela consiste à indiquer dans les statuts même de l'entreprise que la raison d'être de l'entreprise n'est pas seulement de faire du business, mais c'est également de faire autre chose. Et pour nous, l'autre chose, c'est conduire nos vignobles de manière durable, c'est préserver la biodiversité, la développer, c'est préserver le patrimoine, et c'est globalement agir pour préserver l'environnement.
まあ、も複数、資格などはありますけれども、まあ、SDG を2003年から、まあ、古くから取り組んでいることもありますけれども、まあ、複数ある中で、まあ、直近2021年、ソシエテ・ア・ミッション、ゴールのある、目的、として、会社が登録しておりまして B コープと同じ取り組みとなっておりますけれども、いわゆる企業としては目的がこの販売だけではなく、定款のレベルでもビジネスの目的と他にですね、ワイン畑を持続可能な栽培方法を行っていくことだったり、バイオダイバーシティを守ることだったり、それぞれのワイナリーを歴史的な財産を守ることだったり、まあ、それぞれさまざまな取り組みをも関わっておりますので、大きな、ステップを踏み出しました。Maintenant, je vais vous parler de la. De, tu peux passer. Je vais vous parler des labels champenois sur la viticulture. Vous dire que on a été une des trois maisons leaders sur la viticulture durable, qui est un label qui a été créé par quelques maisons à l'origine pour créer notre propre label environnemental avec nos propres critères. Et c'était très très important. Et donc depuis 10 ans, nous sommes certifié viticulture durable en Champagne, c'est un label évolutif très engageant. Et puis, nous savons aussi, par évidemment, nous respectons aussi les labels nationaux, c'est la haute valeur environnementale qui est le label de référence en agriculture en France. または、もう少し具体的に、この2つの資格ラベルを持っておりますが、まあ、1つ左側にある持続可能なブドウ栽培シャンパーニュ、となっておりますが、これはもともと3つのシャンパーニュメゾンが、まあ、発起人として立ち上げた、ものでございます。このサステナブルビジカルチャーが、まあ、このように書いておりますけれども、少しずつエボリューションもしておりまして、完全に固定ではなく、バイオダイバーシティの守りだったり、いくつか、お水に対する考え方だったり、そういったものもございます。または、High Environmental Value、高環境価値というラベルについては、これは、まあ、国内の、まあ、資格となっておりますので、こちらも、取得しております。Très bien. Alors, quelques...Évidemment, être engagé, c'est des labels, mais c'est aussi beaucoup d'actions au quotidien. Alors, je voulais simplement faire le focus sur quelques exemples de ce que l'on pouvait faire dans nos vignobles. Un des points importants qui n'a rien à voir avec les labels, c'est notre engagement. Et Paul-François Granken est très engagé, très sensible aux aspects du réchauffement climatique. Et dans le cadre de notre action pour essayer de limiter notre impact,nous avons décidé de transformer tous nos engins de l'énergie thermique vers l'énergie électrique. Et donc, par exemple, nous avons plusieurs tracteurs électriques et nous avons depuis 2 ans un robot autonome qui s'appelle Bacchus et qui permet de labourer les sols sans utilisation d'énergie fossile.ブランケンポメリーグループの中では、まあ、地球温暖化も気にしており、なるべく、まあ、ガソリンで動いていたものを、まあ、少しずつ、電気、に、まあ、移管しており、すでに、まあ、自家用車だったり、または、ワイン畑の方でもトラクター、または、最近AI の要するにインテリジェンスで動く、ロボット、この左側にございますけれども、を使っております。3つほど今所有しておりまして、
土地あの土を、のいじりだったり、またはいくつかファンクションがございます。この後説明します。Après, effectivement, d'autres exemples parmi des dizaines, c'est l'utilisation de phéromones pour éviter. Donc, il n'y a plus d'utilisation d'insecticides grâce à ces phéromones qui permettent d'éviter la reproduction des papillons. Et puis, l'autre exemple, c'est à droite, c'est l'utilisation de faucons pour effaroucher les oiseaux et éviter. En leur faisant peur, finalement, c'est une protection également des oiseaux et de notre récolte. または、化学物質をなるべく、離れるということで、むしろワイマテクの方では、その虫の、ホルモンを、発生するこのデバイスを、設置することによって、虫が来ないというような取り組みも行ったり、ファルコンですね、タカを飛ばせることによって、ブドウ園を守るということもやっておりますので、いくつか自然の、災害的なものを自然で守っていくということを取り組んでおります。Autre exemple, l'utilisation de piquets en bois localement sourcés, la mise en place de nichoirs pour protéger certaines espèces, de ruchers pour préserver les abeilles, et puis plus récemment, l'utilisation de moutons pour tondre nos vignes et ainsi éviter l'utilisation d'engins. または、なるべく、機械などを使わないために、羊がワイマテキに来ており、自然な草を、食べておりますので、機械を使わないためには導入していたり、例えばクロポンパドールでは、ビーハウスなどを設置することによってバイオダイバーシティを少しずつ微力ですけれども取り組んでいくというようなことを行っており、ワイン畑のに使う材料に関してはなるべく自然のもの、木などを使っていくというふうに心がけております。Alors, effectivement, je voulais faire un focus rapide, on pourra échanger après pendant les questions, sur la recherche et le développement, parce que l'innovation, évidemment, Pommery est une maison qui perpétue les traditions, mais depuis toujours, Madame Pommery, déjà, avait compris que l'innovation était essentielle. D'ailleurs, un très grand chercheur français, Louis Pasteur, a fait quelques études directement dans les vignobles de Pommery. Donc, dès l'époque de Madame Pommery, la recherche et développement était très important. Donc, je vais vous présenter les différents sujets de recherche après. Madame Pommery も、その、リサーチ・デベロップメント、R&Dについても最も気にしており、常に、イノベーション、革新、的な精神を持っている、ポメリーブランドですので、彼女も思っておりました。実は、ルイ・パスツールも、さまざまな場所でスタディをしておりまして、ポメリーの現地、畑も含め、スタディ、しに来ているわけですので、このようなリサーチをされている方々との交流も深かったというふうに思います。Voilà, alors c'est en français, je suis désolé, mais c'est une roue quelque part de tous les essais, des projets de recherche pardon, que nous conduisons chez nous. C'est des projets officiels parce qu'il faut savoir qu'effectivement la recherche en France est réglementée et que l'administration française valide nos projets de recherche. こちらちょっとフランス語で申し訳ないんですけれども、いくつか R&D のプロジェクトの、いわゆるマトリックスとなっておりますけれども、それらのプロジェクトが、公式に発表されておりまして、政府がの了承の下で行っております。Il y a évidemment des projets en œnologie, comme la maîtrise de l'oxygène, la qualité des raisins, des sujets en viticulture, comme
la stimulation des défenses naturelles de la vigne pour limiter l'utilisation de pesticides, les pratiques de conservation des sols qui ont pour but de favoriser le stockage du carbone. C'est un autre moyen de limiter notre empreinte carbone. Qu'est-ce que ça traduit ? いくつかございますけれども、ウノロジーの場合は、j'ai perdu mon fil sur l'onologie. Ah oui, c'est ça. O2 の、オクシジェン、O2 の、をマス、より、まあ、マスターすることによって、ウノロジープロジェクトもはい、あったり、またはビーチカルチャー、ワイン畑の管理のところでは、まあ、よりこの自然な、方法で、まあ、ワイン畑を、守ることも、行っております、まあ、先ほどの、ホルモンの発生デバイスも、一つでもあるかと思いますが、または、まあ、土土地の管理のところでもより CO2 をどのようにストックしていくのか、どのように我々のカーボンプリントを土テルワールを通じてできるかというようなリサーチも行っております。 Il y a également des thématiques qui sont un peu moins directes、qui sont tout aussi intéressantes. Par exemple, en termes de patrimoine,La préservation de nos œuvres d'art, les bas-reliefs en cave, et donc la recherche de moyens pour lutter contre la propagation des champignons sur ces bas-reliefs. Et puis un autre projet qui est un sujet de juriste, qui est comment notre appellation d'origine contrôlée et comment Vranquerie Pommerie au sein de cette appellation d'origine contrôlée va être impactée ou va devoir s'adapter au changement climatique.またはもう少し幅広いテーマもありまして、例えば歴史的な財産については、先ほどご紹介しました、チカセラの、チョークに刻んであるレリーフをどのように、守っていく、どのように維持していくこともリサーチしておりまして、または、AOC シャンパーニュの中で、さまざまな地球温暖化の中でどのように AOC、IGP などが変わっていくことも、スタディをしております。Un des sujets très importants, c'est l'intelligence artificielle, et je voulais faire un focus sur ce sujet qui est vraiment un sujet qui nous occupe. Nous faisons partie d'un consortium européen depuis 3 ans pour travailler sur différents projets d'intelligence artificielle qui est, à mon avis, le futur de la viticulture, parce que évidemment l'homme sera toujours au cœur du dispositif, mais l'intelligence artificielle va nous aider fortement dans les années à venir. または AI も実はブドウ栽培の中でも最も、中心にございます。当然まあ、人間が中心になって運営はしておりますけれども、まあ、この AI、機械、の、まあ、テクノロジーのこの、力を借りていくことはすでに、感じておりますので、ブドウ栽培の、まあ、未来でもあるかなというふうに思いますので、一つのプロジェクトを紹介したいと思います。Donc là, je vais faire un focus sur un projet particulier, c'est le travail sur la qualité des raisins. Donc, il faut savoir que la vendange en Champagne est évidemment manuelle, que le tri des raisins est fait à la vigne par nos hommes. Et donc, le travail, la qualité du tri est vérifiée au niveau du pressoir jusqu'à présent par un homme. Et donc, l'idée de ce projet, c'est de remplacer l'œil de l'homme par une machine.Afin d'être le plus objectif possible et de pouvoir contrôler rapidement et automatiquement la qualité du travail à la vigne et être sûr que tous nos raisins sont parfaits. 一つこのプロジェクトについては収穫したブドウの品質管理、品質チェックに関わっておりますけれども、皆様はご存知かと思いますが、当然収穫は、まあ、手動で手で行っておりますけれども、圧搾機、圧搾する場所の、ところでは管理、
チェック、品質チェックはされておりますけれども、今は人間が、まあ、人間の目や判断によって行っておりますけれども、こちらのまあ AI プロジェクトについては、この品質チェックや判断、スケーリングをまあコンピュータースキルで行っていくことですけれども、Très bien. Alors pour bien comprendre, je vais, pour que vous voyez ce que c'est, on va vous montrer un petit film de qui est le démonstrateur de la technologie. ムービーもございますので、ちょっとより理解が深まっていくかと思います。Il nous reste 20 minutes. Ouais, ça va aller.Voilà, c'était très rapide. Alors, passons aux choses sérieuses. C'était très sérieux avant, mais passons au vin et au style pommery. ムービーを見て皆様は理解しましたでしょうか、まあ、コンピューターの方ではこの、ブドウの品質などはチェックできました。そして、ポメリスタイル、ポメリのシャンパンについて入りたいと思います。Alors, cette diapo, elle est difficile à commenter parce que c'est moi. Mais je voulais juste dire que... 自分のことはちょっと説明するのは恥ずかしい面もありますけれども。Je voulais juste dire que j'étais donc le dixième chef de cave et que c'était important parce que c'est très peu finalement dans l'histoire de la maison et que ces chefs de cave, c'est une grande famille, c'est une chaîne de transmission et que c'est essentiel pour la qualité et la stabilité d'une maison.Et que les 8e, le prince Alain de Polignac, le 9e, Thierry Gasco, sont encore vivants, évidemment, et que j'ai des relations régulières avec eux, et que c'est une vraie famille. Nous dégustons les vins tous les ans ensemble, et c'est extrêmement important. Moi, je suis10代目のポメリ醸造責任者ですけれども、まあ、ぜひ、言いたいのがこの醸造責任者というのは大きなファミリーであり、この、ノウハウを技術も含めてバトンタッチすること自体が最も品質、と関わっておりますので、とても重要なことであり、8代目の醸造責任者プランス・アランド・ポリニャックと、9代目チェリガスコとも、現存で、よく話し合い、交流もありますので、常に、コミュニケーションを取っており、ポメリースタイルについては中心となっております。Très bien, on va passer à la gamme, évidemment、tu peux passer. Le style de la maison est vraiment basé sur ce que Madame Pommery a imaginé. Elle parlait d'une légèreté souriante, d'une finesse, de soigner la finesse avant tout. Ça résume assez bien le style de la maison, de la légèreté, de la finesse、et de la fraîcheur. C'est ça le style de la maison.もちろん、まあ、シャンパニュポメリのスタイルというのはマダムポメリが言ってたのが本当に常に、フィネスを優先してくださいという、彼女の思いもありましたので、まあ、フレッシュさ、洗練さがポメリスタイルの中心にあるんだなというふうに思います。 Donc, la gamme Pommery elle est divisée en différentes familles. La famille royale, effectivement, qui est le flagship, l'étendard de, le,
de la maison et qui est la gamme qui est vendue dans le monde entier, que tout le monde reconnaît, notamment le Brut Royal avec son étiquette bleue. Vient ensuite la gamme gastronomique réservée aux grands connaisseurs de champagne, aux établissements prestigieux, qui est vraiment une gamme qui a été créée récemment, que j'ai essayé de développer avec des nouveaux produits comme le blanc de blanc, le blanc de noir. Et c'était vraiment l'idée de créer une gamme pour les connaisseurs de vin qui aiment la gastronomie. まずはこのポメリーシャンパンの中では複数、ファミリー、レンジがございますけれども、一つ、代表的な、ロイヤルシリーズの中では、世界中に、流通されておりまして、ブルトロイヤルの青いラベルが一番、見られているかと思います、ポメリーのスタイルを一番代表する、スタイルかと思います、商品かと思います。またはアパナージュについては、ガストロノミー向けの、レンジとなっておりまして、シャンパーニュやワインのアマチュアに、向けて、リリースされたレンジでございまして、私自身もこのレンジを、普及しましたし、ブランドブランやブランドノワールも含めて、よりこのファインダイニングでさまざまなペアリングも含め、できるようには心がけております。Vient ensuite la gamme pop, qui est une gamme un peu audacieuse, qui est le champagne qui peut être bu à n'importe quelle occasion dans ce fameux quart qui avait été rendu célèbre dans les années 20 par la maison. Et donc, on a perpétué la tradition du quart qui est la marque pop, c'est Product of Pomerie, qui est la marque un peu audacieuse du groupe. Et puis, je passe à la cuvée la plus récente, la cuvée Louise, créée en 1979, qui est évidemment la haute couture de Pommery. Et enfin, le Clos Pompadour, qui est le vin du domaine, des vignes qui sont autour du château, ici à Reims, et qui est un vin... un part entière est un vin qu'on appelle single vineyard qui est vraiment le reflet d'un terroir et d'un millésime. それとですね、またポップという少し弾けたというか少し、印象的なポメリとなっておりますけれども、もともと1920年代にはポメリがクォーターボトルをリリースしまして、そういったレガシーもありまして、ポップという商品をまた1999年にリリースし、レンジも増やしております。どこでもこう自由に楽しめるという、タイプでございます。または1979年にファーストヴィンテージとしてリリースされたキュベ・ルイーズシリーズに関しては、ポメリーのオートクチュールであり、最も品質の高い、レンジとなっております。クロポンパドールについては、ドメーヌポメリーのものであり、シングルビニヤードによる、ポメリーの歴史や、スタイルをグッと絞った一つのボトルでございますので、レア、そして、エステートのものとなります。Cette gamme est évidemment déclinée sous forme d'une... On peut symboliser cette gamme sous forme d'une pyramide. Évidemment, pour qu'une pyramide soit solide, il faut que le socle soit extrêmement performant. C'est extrêmement solide. Le socle de notre pyramide, c'est le Brut Royal. C'est vraiment l'étendard. C'est ce qui fait que la marque est respectée dans le monde entier, parce que quiconque veut découvrir Pommery commencera un jour ou l'autre par cette bouteille. Donc c'est pour moi l'assemblage le plus difficile à faire et le plus important de la gamme, c'est le Brut Royal. 少し、まとめさせていただいたんですけれども、例えばちょっとピラミッド型にまとめさせていただきますと、このピラミッドの基盤となっているこのところが最も重要かと思います。
基盤がしっかりしてなければなかなか高い建物は建てられないかというふうに思いますので、基盤であるこのブリットロワイヤルというのは高品質であり、高品質だからこそ世界中で評価されております。実はこのポメリブルトラのアサンブラージュを作ること自体も、まあ、最も、ハードルの高いものとなっておりますので、常に気にしております。 Ensuite, vous avez donc cette succession de cuvées qui, et l'idée générale, c'est que, au fur et à mesure de la montée dans la pyramide, c'est que l'on va sélectionner de plus en plus précisément les villages. On part de 40 villages pour le Brut Royal, qui sont les villages historiques de Pommerie, sélectionnés chef de cave après chef de cave pour leur qualité particulière. Et puis, au fur et à mesure des changements de cuvée, on va réduire cette sélection de villages pour monter vers la cuvée Louise, où il y a seulement 3 grands crus. Donc l'idée, c'est que plus on va monter dans la pyramide Pommerie, moins il va y avoir de villages, ils vont être de plus en plus prestigieux, de plus en plus grands crus pour monter. On n'a pas mis le Clos Pompadour, cette pyramide, pour monter jusqu'à un village, un monopole pour le Clos Pompadour. あの考え、まあ、このちょっとピラミッドの考え方としては、だんだんとクルー の, あの数を、まあ、減らし、だんだんとこのクルーの品質を上げていくという、まあ、テロワールの考え方もありますし、よりこの、まあ、テロワールの表現できるものだったり、またはテロワールの表現もあれば、まあ、レンジのスタイルとも表現できますので、このようなフィロソフィーを得て、行っております。Alors, il nous reste 10 minutes à peu près. On va faire le focus sur deux cuvées. Tout d'abord, je vais parler brièvement, mais c'est important, du Brut Royal. Le Brut Royal, il faut comprendre, si tu peux passer sur la... Le Brut Royal, c'est, je vous l'ai dit, l'étendard de la marque. C'est surtout la vision moderne de ce qu'était le Brut 1874. Et donc, il est toujours produit dans la même philosophie que ce que Madame Pommery avait souhaité. Il faut comprendre que ce Brut Royal, c'est un peu un morceau d'histoire que l'on perpétue. Et c'est pour moi une cuvée essentielle de la marque. Et donc, on attache une importance immense à cette cuvée. まあ、残り10分ちょっと切りましたけれども、2つのキュベをフォーカスに話をしたいと思いますが、1つポメリブルートロイヤルですね。ポメリブルートロイヤルについては、ポメリのフラッグシップキュベでもあり、ある意味、1874年ブルートナチュールのモダンなビジョンの、元に作られております。ということで、ポメリの歴史、そしてポメリスタイルのエッセンスでもありますので、とても大事にしております。Très bien. Alors, après, je vous propose de prendre le temps qui nous reste pour vous parler de cuvée Louise. Il me semble essentiel, et donc je vais prendre un peu de temps et on pourra ensuite échanger pendant les questions sur cuvée Louise, qui est le chef-d'œuvre de la marque. Elle a été créée en 1979 par le prince Alain de Polignac. Ça a été une cuvée qui a été difficile à créer parce que la cuvée de prestige historique de Pommery était le grand cru royal, avec que des grands crus déjà. Et donc, il a fallu imaginer quelque chose de différent. Et le prince Alain de Polignac a imaginé créer le vin qui était la quintessence du style Pommery. Et donc, il a recherché la pureté absolue. そしてちょっと残りの時間ではキュベルイーズについて話をしたいと思いますけども、キュベルイーズはポメリの中でもマスターピースという存在かと思います。第8代目のプランス・アランド・ポリニャックによる、まあ、リリースとなっておりまして、当時はすでに、ポメリにはプレステージキュベのグランクルロイヤル、ミレジメグランクルが存在しておりましたので、どのようにキュベルイーズポメリを通じて、プレステージシャンパニーを仕上げるかというふうに課題を与えたときには、より、ポメリのエッセンスを、キャッチするためには、
まあ、極上の純粋さを目指して、作りました。Alors, ce qui est incroyable dans cette cuvée, c'est qu'on a une logique différente, puisque le vin n'est plus un assemblage de winemaker, mais c'est un assemblage de wine grower. C'est-à-dire que l'assemblage se fait avant la vendange, dans les vignobles. Donc, c'est réellement la spécificité de cette cuvée, c'est d'imaginer la cuvée avant même la récolte. C'est ça qui est intéressant. Mm.とてもあの他のシャンパンと、違う点としては、ワインメーカーのブレンドじゃなくてワインメーカーのアサンブラージュじゃなくて本当にワイングロワーのアサンブラージュとも言えます。いわゆる、もうブレンドする前にその収穫の時点である程度ブレンドを決めるというような、ワイングロワーの考え方でもあるかと思います。Donc la cuvée Louis, c'est l'assemblage de trois villages. Trois villages sont les villages les plus célèbres, selon moi, de la région de Champagne. Si on prend la carte historique de Pommerie et de la Champagne en 1911, les couleurs de Cramant et Avize sont les seules qui sont appelées hors classe, c'est-à-dire que les meilleures. Donc c'est vraiment les grands crus historiques de la Champagne. Et l'idée du Prince Alain, c'était de prendre les grands crus historiques les plus prestigieux et les plus fins, les plus élégants. Donc, Cramant Avize pour les Chardonnay et Ailly pour les Pinot Noir. で、考え方としては、グランクルーの中でも最もクラスが高い、歴史的なグランクルーを使います。アビーズ、クラマンのシャルドネ、そしてアイのピノノワールを、使いました。Et évidemment, évidemment, quand on regarde ces villages, c'est loin d'être simple. Et pour vous comprendre la subtilité des assemblages, c'est que vous voyez tous ces lieux dits dont on a parlé tout à l'heure. Ici, je fais le focus sur les parcelles de Pommerie qui vont apparaître. Vous allez voir qu'il y a une très, très grande diversité d'endroits. Voilà, vous les voyez apparaître. Donc, on a la chance d'avoir des parcelles dans quasiment toutes les parties de ces deux villages qui finalement forment un même ensemble, hein, ils sont côte à côte. Alors quand on regarde comme ça, ça paraît homogène, mais si on passe à la diapo d'après et qu'on regarde la carte des sols, voilà, ça c'est la carte des sols, donc la réunion de la géologie et du sol, et donc vous voyez qu'il y a énormément de couleurs différentes, ça veut dire que chaque parcelle finalement a un sol qui est légèrement différent. Vous avez des sols plus ou moins sableux, des sols plus ou moins argileux, des sols plus ou moins crayeux, et c'est ce qui va faire la diversité de ces terroirs. 少しあのかいつまんでお話しさせていただきますけれども、今クラマンアビーズのマップはございますが、丸く、描かれているものについては実際、ルイーズ専用のパルセル区画となっておりまして、それぞれこういろんなところに、配置されていることは分かるでしょう。で、具体的にもちろんこういうふうに見ますと、あ同じなんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、実際、ソイル、テルワールの材質がそれぞれ違いまして、長期だったりクレイだったりライムストーンだったりさまざまな特徴を持っておりますので、これは本当にテルワールの熟知をしていなければ、アサンブラージュをワイングロウイングの時点ではなかなか難しいかと思います。 Vous regardez maintenant l'exposition au soleil avec les flèches, vous voyez qu'il y a autant de diversité d'exposition que de parcelles. Effectivement, le terroir de Cramant et Avize est exposé à l'est d'une manière macro, mais quand on regarde les micro-vallées qu'il peut y avoir, vous avez des expositions est, des expositions ouest, des expositions sud. Donc, il y a une très, très grande diversité d'exposition, une grande diversité de sols. Si vous rajoutez à cela l'âge des vignes, vous imaginez bien que chaque parcelle est différente et c'est ce travail qui va être intéressant d'assembler le puzzle. または、まあ、日当たり、まあ、あとは日照の方向などもありますけれども、まあ、様々な、本当にこう印象があるかと思います。例えばワインの
ブドウ園のワイン畑の樹齢だったり、またはソイルだったり、日照時間だったり、それぞれ方向性も含めてありますので、本当にこう複雑なことかなというふうに思っております。 Donc évidemment vous allez retrouver, on va passer, vous allez retrouver exactement la même chose sur le vignoble d'Ailly. Voilà les parcelles qui vont apparaître. このようにAillyも含めパーセルがありまして、 les sols et ensuite les expositions. ソイルの材質とあと日照ですね。C'est encore plus marqué sur Ailly puisque les vallées sont beaucoup plus encaissées. Vous avez des très grandes variations d'exposition. まあ谷もありますので、まあこのいわゆる、まあ、地面のこの凸凹によって本当に違ってくるというふうに思いますので、テルワールをしっかり、知っていればこのような管理もできるかと思います。Je fais la suivante. Voilà. Voilà.Donc on va passer. Je voulais simplement vous montrer sur cette image. Remets avant, excuse-moi. Juste vous parler des couleurs qui sont sur la Louise 2005, qui est le nouveau millésime, et on finira là-dessus. Vous dire que ces trois couleurs symbolisent les rangs des vignes et qu'on a voulu, à travers cette nouvelle bouteille, rendre hommage au travail qui a été fait historiquement sur la sélection de ces parcelles. Et donc les trois couleurs symbolisent nos trois villages.Et pour finir, non, vas-y, je te laisse. 2005年のルイーズヴィンテージからはデザインを変えまして、このようにカラフルな3色デザインとなっておりますけれども、空から見たブドウ園、ヴィニャードのイメージしております。アビーズ、クラマン、アイの3つですので3色を選んでおります。 Pour finir, vous parlez très rapidement de la vinification de Louise parce que Je vous ai expliqué tout à l'heure que les deux étapes les plus importantes, c'était la sélection des raisins et le pressurage. Et c'est vrai également pour Louise. On a parlé de la sélection des raisins très longuement. Au niveau du pressurage, ce qui va être très intéressant sur Cuvée Louise, c'est que l'on va faire un pressurage différent en prenant le cœur de la baie de raisin, c'est-à-dire en prenant uniquement la première partie de la cuvée. Vous voyez le cycle de pressurage là sur l'image. On va prendre uniquement...Le S1 et le S2, c'est-à-dire le cœur du terrain, le cœur au début, quand vous commencez à pressurer, c'est vraiment les premières gouttes de jus. Donc, les premiers jus qui vont être d'une pureté très grande. Donc, l'idée vraiment, c'est de prendre le cœur de la baie de raisin sur le cœur de nos meilleurs terroirs. Cuvée Louise, c'est ça. Et puis ensuite, énormément de patience pour exprimer le potentiel qu'on a obtenu à la vigne.このようにルイーズの圧搾作業なんですけれども、キュベのハートの部分しか利用しません。下の絵にも書いておりますが、ブドウの実の本当に、まあ、一番、純粋な果汁を、使います。なので、キュベの中でもこの絵に書いている S1、S2 のところのみを使っており、まあ、よりこの、一番まあ、純粋な果汁を得て、それを、本当にゆっくり、時間をかけて熟成することによって、ようやくルイーズのこの、まあ、表現ができるかなというふうに思います。Et je vous remercie beaucoup. ありがとうございます。皆様、ちょっと時間をしましたけども、どうもありがとうございました。Merci, Clément. Et on est bien. Parfait.ピエルロさん、諸井社長、ありがとうございました。さて、ここからは質疑応答の時間に入らせていただきます。些細なことでも構いませんので、ぜひ Q&A のところにご投稿をお願いいたします。たくさんのご質問をいただいた場合には、すべてのご質問にお答えできないこともありますが、ご了承ください。では、皆様、ぜひ、Q&A の方に、書き込みをお願いいたします。On attend les questions. Très bien. C'est par écrit ou... J'entends? Oui, j'entends. はい、最初の質問が参りましたので読み上げさせていただきます。この度は貴重なセミナーありがとうございます。
コメリーのスタイルであるフィネスやフレッシュさを維持する上で気候変動の影響などを鑑みると今後10年から20年の間にドザージュの量は減少傾向でしょうか。そしてまた2016年にはルイーズナチュールがリレースされましたが、クレマンピエルローさんはドザージュゼロのシャンパーニュについてはどのように思われますかというご質問です。La première, la finesse et la légèreté, la fraîcheur de Pommery sont au centre du style Pommery. Que penses-tu du changement climatique et dans les 10 à 20 ans à venir, est-ce que ça va influer sur le dosage des champagnes? Et deuxième question, en 2016 est sortie la première Louise Nature sans dosage. Qu'est-ce que vous pensez de cette cuvée et du fait de l'avoir sortie sans dosage? Alors, première question, l'impact du réchauffement. Il faut savoir déjà que le réchauffement climatique touche la Champagne depuis au moins 20 ans. De toute façon, c'est quelque chose avec lequel on vit depuis longtemps. Jusqu'à présent, les effets sont extrêmement... C'est un peu cynique ce que je vais dire, mais ils sont très positifs. C'est-à-dire que la difficulté de la Champagne dans les années 70 ou 80 ont toujours été la maturation des raisins. On est dans une région froide. Et le réchauffement climatique va permettre à la Champagne, depuis les années 2000, d'obtenir des maturités très très bonnes et globalement de faire énormément de millésimes depuis les années 2000. Je vais te laisser traduire, je continuerai après. Sur la suite, va.一旦ちょっと後に説明しますけれども、ここ20年この地球温暖化は逆に、まあ、シャンパン地方にはポジティブな影響を与えておりまして、今まで課題だったこのマチュラション、ブドウのこの糖、の度合いだったりこの酸の度合いについては、しっかり、ブドウのが売れておりますので、この関係で2000年以降たくさんのヴィンテージシャンパーニュをリリースすることができました。Sur le... Évidemment, on a également des effets négatifs qui commencent à apparaître et donc notamment la ressource en eau. Et donc il est important d'adapter nos vignobles maintenant et surtout de lutter ce qu'on fait au quotidien. Pour que, essayer de tempérer cette évolution climatique. Sur le dosage, c'est une évolution lente qui n'est pas liée qu'au réchauffement climatique. La matrice des vins évolue, mais nos goûts évoluent, les goûts des consommateurs évoluent, le moment de consommation du champagne évolue. Je pense qu'il y a notamment au Japon, il y a de plus en plus de connaisseurs qui apprécient faire des associations mets vins avec le champagne, alors que le champagne était un vin d'apéritif. Et forcément, tout ça fait que le dosage doit s'adapter, parce que si c'est un vin de food pairing, c'est pas tout à fait le même dosage que si c'est un vin d'apéritif. Donc le changement de goût des consommateurs, le changement de moment, le réchauffement climatique fait que globalement, je dirais que les dosages ont tendance à descendre un peu. Et c'est notre métier de chef de cave que de trouver le dosage adapté pour chacune de nos cuvées. まあ、地球温暖化はもちろんそういうドザージにはまあ影響はするんですけれども、むしろ進化しているのが、シャンパーニュを楽しむ時だったり、アペリティフ用のシャンパーニュとペアリング用のシャンパーニュはまた違ったドザージの考え方もありますし、そのように、少しずつ影響はしてきますので、ゆっくりこの、ドザージュに影響はするかなというふうに思います。
Et OK, la deuxième question, j'ai un trou. Sur que pensez-vous de la sortie en 2016 de la Louise Nature et du dosage zéro? Alors, le dosage zéro, on l'a fait parce que c'était une époque où les natures revenaient à la mode et que Pommery, ayant été l'inventeur de nature et ayant nature sur ses bouteilles déjà au 19e siècle, il nous semblait évident que l'on ne pouvait pas ne pas remettre nature sur une de nos cuvées. Et la cuvée évidente pour le faire, c'était évidemment Louise, parce que là, le mot nature revêt deux sens. Le nature réglementaire, ne pas ajouter de sucre, et le nature un peu poétique du lien avec la nature et avec le terroir, parce que cuvée Louise, c'est les plus beaux terroirs de la Champagne, la craie pure, et donc le fait de proposer ce vin nature, c'était de proposer aux connaisseurs d'être en relation directe avec la nature et avec le terroir. またあのルイーズナチュールのリリースというのもこういったこのようなあの、まあ、シャンパンを楽しむタイミングと関連しているかと思いますけれども、もともとポメリーシャンパーニュが、ブリュートナチュールは1870年にリリースされたこともあり、またはよりテロワール、またはその石灰の中でこう熟成したこのキュベを、最もあるのまま、あるがままお楽しみいただけるキュベとしては最も向いてたのは、まあ、ルイーズポメリーということで、一つルイーズナチュールを、あのリリースをいたしました。はい、あ、いや、beaucoup de questions。 ね、ありがとうございます。それでは次の質問もう一つ、させていただきます。先ほどサルマザールまでは瓶内熟成とおっしゃっていましたが、バルタザール以上の大きなボトルはどのように熟成していますか？そして大きいサイズの瓶で、熟成発酵させる場合に気をつけているポイント、また、味わいへの貢献、どのように味わいが変化するかというのも、教えてくださいということです。Donc, au niveau du Salmanazar, les bouteilles sont mises en cave et fermentent ainsi. Que se passe-t-il donc au-dessus sur les formats supérieurs type Balthazar? Et deuxième question, pour ces grands formats, quels sont les points d'attention que vous donnez, que ce soit au niveau de la fermentation, des qualités gustatives? Quelle est votre philosophie autour de ces grands formats? Alors, Pommery, historiquement, fermente jusqu'au Salmanazar parce que il y a ensuite un risque avec le flacon. C'est des flacons qui sont très fragiles. Donc, c'est assez dangereux de fermenter dans des bouteilles supérieures au Salmanazar et les bouteilles ne sont pas garanties. Donc, au-dessus du Salmanazar, pour ceux qui le veulent, ce n'est pas quelque chose que l'on pousse plus que ça, mais pour ceux qui veulent des Balthazar ou des Nabucodonosor, il y a toujours des gens qui en veulent. Là, c'est un système de transvasage, c'est-à-dire que l'on va prendre des bouteilles ou des magnums pour remplir le Balthazar et le Nabucodonosor. C'est impossible de fermenter dans les flacons d'origine, trop dangereux. ではあのバルタザール以上に関してはもともとポメリではサルマナザールまでは、瓶の中で、瓶内二次発酵そして熟成を、行っております。それは歴史的なことであり、バルタザール以上については実は、この大きな瓶というのは最も、割れやすいこともありまして、もう一つこの保険で保証されていないこともあり、なかなかこう、サルマナザール以上のサイズでこのように長期熟成できることが、たくさんあの困難もありまして、今は、移し替えマグナムやボトルを移し替えて、熟成、出しております。Deuxième question、concernant la, ouais, les qualités, qualité, ouais.Donc sur la qualité, c'est il y a une attention particulière au moment du tirage en mise en bouteille, puisque on va mettre un petit peu moins de pression dans la bouteille, là encore pour la question de fragilité du flacon.
C'est pas beaucoup, mais ça, on va jouer un petit peu sur le, au niveau du tirage. Et puis ensuite, c'est une surveillance annuelle de nos bouchons, parce qu'il faut savoir que le temps de vieillissement est proportionnel à la taille du flacon. Et pour exemple, en ce moment, au Japon, le Salmanazar de Grand Cru est un 1995, je pense. Et donc, vous imaginez bien que c'est des vieillissements très, très longs et il faut que le bouchon soit parfaitement intact pour faire son travail. Et donc, notre travail, c'est de vérifier l'intégrité de ce bouchon. Et puis, tous les 18 mois, tous les 2 ans, on va déguster tous les millésimes et tous les flacons pour vérifier que le vieillissement est optimal. あとは気にしている点としては、3つほどありまして、ティラージュの時点では少し、バー気圧を少し、低くして、ティラージュを行っています、2つ目、コルクはパーフェクトのものでなければ、いけませんので、例えば今サルマナザールのグランクルは、1995年ヴィンテージのでなので、本当に長期熟成しております、このように毎年、コルクの、まあ、状態を、チェックしております。または、18ヶ月ごとに、各ヴィンテージの各サイズを、試飲しておりますので、状態をチェックしております。以上です。ありがとうございます。お時間の関係もありますので、最後もう一つ質問とさせていただきます。最近さまざまなシャンパーニュメゾンが、別の地域でスパークリングワインを作っていらっしゃいますが、ポメリーでは、他の地域で作る予定、もしくはこれから取り組むような地域はありますでしょうか、という質問です。お願いいたします。Champagne se sont spécialisés parfois, spécialisés ou ont sorti des sparkling. Est-ce que vous produisez aujourd'hui des sparkling et est-ce que vous avez aussi des projets dans le futur? Alors oui, on produit sparkling depuis pas mal de temps. On a actuellement 3 vignobles dans lesquels on fait du sparkling, donc notre vignoble du sud de la France, et puis donc sur le nom du domaine, hein, sur le nom de Jarras, et puis sur le projet plus précisément de Pommery, on a avec Monsieur Vranken imaginé une nouvelle marque qui s'appelle Louis Pommery en 2015, et on a commencé par 2 vignobles important, l'idée étant de produire des sparklings dans les pays où ils se consomment et où les terroirs sont très intéressants. Donc on a travaillé sur Napa Valley, sur Californie, et puis sur l'Angleterre, avec 2 approches différentes. En Californie, nous sommes acheteurs de raisins pour essayer d'acheter dans différents endroits, l'idée étant de faire un assemblage de chardonnay de différentes vallées et endroits en Californie pour reproduire l'assemblage de ce que l'on peut faire en Champagne. Et en Angleterre, là, l'idée, c'est de faire un vin de domaine. Donc, on a créé de zéro un nouveau domaine dans le Hampshire, de zéro, et le vin sera vraiment uniquement single vineyard issu du domaine. Ce sera Louis Pommery California et Louis Pommery England. Merci. 実はまあすでに、グループとしては3つほど事業を行っておりますけれども、南フランスのワイナリーを持っておりまして、カマルグ地方の方では、ジャラスのスパークリング、ビナイ二次発酵を、作っております。で、具体的にポメリーについては、2015年以降ルイ・ポメリーというブランドを、まあ、改めて創業者の名前にちなんで立ち上げまして、ナパバリーの方で、まあ、最初スタートしまして、
ブドウを調達しております。でもう一つイギリスになりますので、イギリスの方はもう、土地を買って畑を、植えて、土名の管理をしておりますので、2つ、異なったアプローチになります。片方カリフォルニアについてはさまざまなテロワールからシャルドネを調達しまして、シャンパンのようにブレンドを行っており、理想のスタイルを立ち上げること、理想のスタイルを生み出すことができます。イギリスに関してはむしろ、まあ、ドメーヌのシングルビニヤードの特徴を生かした、ブレンドとなっておりますので、また違ったアプローチになっておりますし、すでに行っているものでございます。以上です。Même si on est un peu juste. Une dernière question ? Il reste 20 minutes, non ? Non ? もう一つではお答えいただけるということなので、質問の方をもう一つ選ばせていただきます。ですね、マロラクティック発酵に関して、先ほどポメリーの、キュベについては全てマロラクティック発酵をしているということでしたが、今後の気候変動でよりブドウの熟度が高くなっていった場合に、マロラクティック発酵をしないということも、あるのでしょうか。また、ポメリーのシャンパーニュにとってマロラクティック発酵をすることの大切さについて教えていただきたいですということです。Donc, ça ressemble un tout petit peu à la première question, pas au niveau des dosages, mais au niveau de la fermentation malolactique. Avec les évolutions climatiques récentes, est-ce que la fermentation malolactique sera amenée à disparaître sur une ou plusieurs cuvées ? Et quelle est l'idée derrière la fermentation malolactique chez Pommery, dans le style Pommery ? C'est une bonne question. C'est de faire le lien entre la fermentation malolactique et l'acidité du vin et la fraîcheur d'un vin. C'est malheureusement pas si simple. L'acidité n'est pas toujours corrélée à la fraîcheur. Pour moi, la fermentation malolactique, c'est une question de style. Le style Pommery est basé sur la rondeur, le côté crémeux. Donc, c'est lié à la fermentation malolactique. Pommery a toujours fait la fermentation malolactique et a été une des premières maisons à le maîtriser, parce que c'est une fermentation qui, historiquement, est difficile à maîtriser. La fraîcheur et l'acidité, on va la chercher autrement, par la qualité des raisins, par le pressurage. On a parlé tout à l'heure de la cuvée Louise. Le fait de travailler sur les premiers jus, ça va être des jus plus acides. Donc, il y a différentes façons d'aller chercher de la fraîcheur. Le sourcing, la maturation, le pressurage et ensuite la vinification et le vieillissement. Et il faut reconnaître que le vieillissement dans nos caves est un vieillissement très long à basse température qui préserve et favorise la fraîcheur des vins. Et donc pour nous, la fraîcheur, elle est ailleurs. Et donc pour le moment, on n'a pas décidé d'intervenir ou de changer quoi que ce soit sur la malolactique, parce que ça changerait trop le style de la maison. Alors évidemment, comme on fait beaucoup d'essais, on regarde, mais pour l'instant, il n'y a aucun changement là-dessus. マロラクティック発酵は、まあ、もしかしてこう発想はそのフレッシュさやこの酸味とこう絡んではいるんですけれども、まあ、必ずしもこの酸というのはフレッシュさと関わっていないと私は思っております。ポメリースタイルはやっぱりこのまろやかさとクリーミーさが、まあ、最もこちらも大事にしておりますので、歴史的にはマロラクティック発酵もマスターするのも難しかったんですが、ポメリは歴史的にはマスターしており、未だに使うのが、まあ、少し、レガシーを継続することも、一つかと思います。またフレッシュさは、さまざまな方法で取得はできるかと思いますけれども、ブドウの品質だったり、または、まあ、ルイーズの場合は圧搾も、S1、S2 のそのキュベのハートの部分でよりフレッシュな果汁を得ることもできます。ビニフィケーションともに、カーブで熟成するときにはやっぱりポメリはガロロマのクレイエールで熟成しているときには、低温
通年低温、そして湿度の高い、環境でございますので、フレッシュさがとても保たれている、環境でございます。当然、マルラクティック発酵でない、トライアルなどは、ウォッチングや行っておりますけれども、今のところは変える、つもりはございません。以上です。ありがとうございました。ではお時間となりましたので、これにてセミナーを終了いたします。ポメリーソムリエコンクール予選の第2課題ですが、7月11日火曜日に皆様にメールでご案内いたします。課題の提出締め切りは7月18日火曜日12時となっております。なお本日のセミナーは後日 YouTube にアップいたしますので、課題と YouTube の詳細につきましてはメールをご確認ください。改めまして、ピエルローさん、諸井社長、セミナーありがとうございました。皆様本日はお忙しいところ、本セミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。Merci, Simon. Merci beaucoup. Et bon courage à tous. Bonne réussite. Arigato gozaimasu. Je quitte. Arigato gozaimasu.